Bonjour! Dans cette vidéo, on va voir comment réaliser ce point fantaisie avec losange. Alors, je veux vous montrer ici, je l'ai réalisé deux fois. J'ai deux losanges. C'est le côté endroit. J'ai fait ici de chaque côté des mailles envers, mais ça peut très bien être aussi des mailles endroit. Et si on regarde l'envers du tricot, c'est pas identique, mais c'est bien aussi le côté envers. Ça peut donc être parfait là, pour faire des foulards, par exemple. Ça convient des deux côtés. Le modèle se fait avec 33 mailles sur 38 rangs. Alors moi, je vais vous montrer ici là, comment tricoter les 33 mailles après le marqueur. Et on va utiliser une aiguille à torsade pour faire les losanges. Avant de commencer le modèle, on va faire un rang de montage en commençant par une maille envers et une maille en droit, une maille envers, une maille en droit. Et on répète pour tout le rang au complet. Ça ne fait pas partie des 38 rangs là, pour le modèle, mais c'est un rang de montage. Alors on termine ici avec une maille envers. Alors on commence vraiment ici le rang 1 avec une maille en droit. Ensuite on fait un jeté et on glisse la maille suivante sur l'aiguille de droite en piquant le brin de devant par derrière. Je vais le refaire. Une maille en droit, un jeté et on glisse en piquant le brin par derrière. Une maille en droit, jeté, glissé. Une maille en droit, jeté, on glisse. Une maille en droit, jeté, glissé. Et on répète jusqu'à la fin du rang. Tricoter, jeter, glisser. Et la dernière maille, on la tricote à l'endroit. Le rang de retour, le rang numéro 2. On tricote la première maille à l'envers. Et ensuite, on prend les deux brins ensemble et on les tricote à l'endroit. Une maille envers. Deux mailles ensemble à l'endroit. Et on répète toujours. Une maille envers, deux mailles ensemble à l'endroit. Pour tout le rang au complet. On répète, une maille envers, deux mailles ensemble à l'endroit. Et on termine le rang. En fait, deux mailles ensemble à l'endroit et une maille envers. Le rang numéro 3, il est identique au rang numéro 1. Donc, tricoter, un jeté, glisser, tricoter, jeter, glisser. Et c'est la même chose que le rang numéro 1 jusqu'à la fin du rang. On répète. Et on termine avec une maille en droit. Le rang numéro 4, c'est comme le rang numéro 2, une maille envers, deux mailles ensemble à l'endroit. Une maille envers, deux mailles ensemble à l'endroit, et on répète jusqu'à la fin du rang, comme le rang 2.
et la dernière maille à l'envers. Le rang numéro 5, c'est comme le rang numéro 1 et le rang numéro 3. Tricoter, jeter, glisser. Tricoter, jeter, glisser. Jusqu'à la fin du rang. La dernière maille à l'endroit. Et le rang 6, c'est comme le rang 2 et le rang 4. Une maille envers, deux mailles ensemble à l'endroit. Une maille envers, deux mailles ensemble à l'endroit, jusqu'à la fin du rang. Et on termine avec une maille envers. Alors, on voit les 6 rangs qu'on vient de faire. Le rang de montage, on ne le calcule pas. Alors, vous voyez ici, c'est les 6 rangs avant de faire le losange. Et quand on va répéter pour continuer le modèle, ce sont les 6 mailles qui sont ici. On va donc commencer le rang pour avec le losange. On va faire une maille en droit, jeter, glisser 7 fois. On le fait une fois, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Ensuite, on fait une maille en droit et une maille envers. On va chercher notre aiguille à torsade. On va placer une maille devant. On va tricoter une maille en droit sur l'aiguille de gauche et la maille de l'aiguille à torsade à l'endroit. Donc, une torsade 1-1, on va l'appeler comme ça. À l'endroit. Et on continue avec une maille en droit, jeter, glisser pour encore 7 fois. Donc, on le fait une fois, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on glisse et la dernière maille à l'endroit. Le rang 8, une maille envers et deux mailles ensemble à l'endroit aussi 7 fois. On le fait une fois, répète, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On prend notre aiguille à torsade. Maintenant, on va faire des torsades 1-1 à l'envers. On place une maille devant. On tricote une maille à l'envers sur l'aiguille de gauche. La maille de l'aiguille à torsade à l'envers et on répète. On place une maille devant, une maille à l'envers sur l'aiguille de gauche et la maille de l'aiguille à torsade à l'envers. Donc, des torsades 1-1 à l'envers. Et on recommence une maille envers, deux mailles ensemble à l'endroit 7 fois. On le fait une fois, 2, 3,
6, 7 et la dernière maille à l'envers. Le rang numéro 9, tricoter, jeter, glisser 6 fois. On fait une fois, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, on fait une maille en droit, une maille en vert et les torsades 1-1 à l'endroit 3 fois. Donc, on place une maille devant. Sur l'aiguille de gauche, une maille en droit, la maille de l'aiguille à torsade à l'endroit. On le fait une fois. Deux. Trois. Et on reprend avec une maille tricotée, un jeté et glissé, aussi 6 fois. Et la dernière maille à l'endroit. Le rang 10, on commence toujours avec une maille en vert et les deux mailles ensemble à l'endroit et on va le faire 6 fois. Les torsades 1-1 à l'envers. Oups. Okay. On place une maille devant. Une maille à l'envers sur l'aiguille de gauche. La maille de l'aiguille à torsade à l'envers. Et on le fait 4 fois au total. Deux. Quatre. Et on reprend une maille envers, deux mailles ensemble à l'endroit et on le refait pour un total de 6 fois. Et la dernière maille à l'envers. Le rang 11, la même chose, une maille en droit, un jeté glissé et on le fait 5 fois au total. Ensuite, une maille en droit, une maille en vert et les torsades 1-1 à l'endroit 5 fois. Une. Deux. Trois.
4, 5, et on reprend 5 fois. On va faire une maille en droit, jeter, glisser, 5 fois jusqu'à la fin du rang. La dernière maille à l'endroit. Le rang 12. Une maille envers. Deux mailles ensemble à l'endroit. Et on va le faire 5 fois au total. On peut maintenant faire les côtes, les torsades 1-1 à l'envers, 6 fois. Donc là, j'ai fait 1, 2, 3, 5, 6, et ensuite on reprend une maille envers, deux mailles ensemble à l'endroit, pour un total de 5 fois. Deux. 4, 5 et la dernière maille à l'envers. Le rang numéro 13, une maille en droit, un jeté glissé, 4 fois. Une maille en droit, une maille envers et les torsades 1-1 à l'endroit, 7 fois. Et ensuite, on reprend du côté en droit. Vous voyez ici, on commence à voir le losange qui commence avec les mailles en diagonale avec les torsades 1-1. Donc, on reprend avec une maille en droit jetée et glissée 4 fois. Et on termine avec notre maille en droit. Le rang 14. Une maille envers. Deux mailles ensemble à l'endroit. 4 fois. 2. 3. 4. On va faire des torsades 1-1 à l'envers, 8 fois.
et on reprend avec une maille envers, deux mailles ensemble à l'endroit, quatre fois. Et la dernière maille à l'envers. Le rang 15, on va faire trois fois une maille en droit, un jeté glissé, une maille en droit, un jeté glissé, une maille en droit, jeté glissé. Ensuite, une maille en droit, une maille envers et les torsades 1-1 à l'endroit, 9 fois. Et on reprend avec une maille en droit, un jeté glissé trois fois. On les fait une fois, deux, trois et la dernière maille à l'endroit. Le rang 16, une maille envers, deux mailles ensemble à l'endroit. Trois fois. Deux, trois. Ensuite, les torsades 1-1 à l'envers, 10 fois. Et on va reprendre encore trois fois une maille envers, deux mailles ensemble à l'endroit. Donc une fois, deux, trois et la dernière maille à l'envers. Le rang 17, une maille en droit, jeté, glissé. Et une deuxième fois, une maille en droit, jeté, glissé. Une maille en droit. Une maille envers. Et les torsades 1-1 à l'endroit. 11 fois.
Ensuite, une maille en droit, jeté, glissé, maille en droit, jeté, glissé, et la dernière maille à l'endroit. Le rang 18, une maille envers, deux mailles ensemble à l'endroit. On répète, une maille envers, deux mailles ensemble à l'endroit. Et les torsades 1-1 à l'envers, 12 fois. Et on reprend, une maille envers, deux mailles ensemble à l'endroit, une maille envers, deux mailles ensemble à l'endroit, et la dernière maille à l'envers. Le rang 19, une maille en droit, un jeté glissé, immédiatement on fait une maille en droit, une maille envers, et les torsades 1-1 à l'endroit. Treize fois. Et on poursuit avec une maille en droit, le jeté et le glissé, et une maille en droit. Le rang 20, une maille envers, deux mailles ensemble à l'endroit, et les torsades 1-1 à l'envers, 14 fois. En tout cas, c'est un bon point pour pratiquer les torsades 1-1, en droit ou envers. C'est ce qui fait le beau losange en diagonale.
Et pour terminer, une maille envers, deux mailles ensemble à l'endroit et la dernière maille à l'envers. Le rang 21, une maille en droit et une maille envers. Et les torsades 1-1 en droit, 15 fois. Alors, à la fin, après la 15e torsade, il va nous rester une maille que l'on tricote à l'endroit. Le rang 22. On commence immédiatement les torsades 1-1 à l'envers. Et on va le répéter 16 fois au total. Alors la 16e, et il nous reste aussi une maille qu'on tricote à l'envers. Alors voici ce qu'on a fait. Jusqu'à présent, on a la moitié du losange de fée ici. Dans une deuxième partie, on va voir le dessus du losange. Je vais vous inscrire le lien dans la description pour la partie numéro 2. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Sur ce, je vous dis bon tricot et à bientôt!